Bonsoir. Bon, ça, les épis, c'est normal. Le casque de chantier, on dira pas que c'est parce que j'ai pas été chez le coiffeur. Ah, des petites toupettes, là. Hop. C'est beau comme ça. Bon, ça fera un peu long, mais bon, c'est pas grave. Le motoculteur Michel. Je vous l'ai dit, c'est... C'est comme d'habitude, un prototype. Donc, c'est un pont normalement 10 équis. Seul problème, c'est que... Parfois, je récupère des trucs... les gens lèvent les pièces signalétiques, c'est un peu chiant, on peut pas savoir. Et pour moi, c'est un exécu. Donc, le dégraissage. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est les pièces de façon à le remettre sur des fraises. Sur roues, si vous voulez, qui tiennent au sol. Tout seul, comme un grand. Donc, je les ai dégraissés. Maintenant, je vais les poncer pour pouvoir les passer en peinture. Ça, c'est les pièces qui m'intéressent. Il y a le pont. Il y a les deux brancards. Là, c'est une pièce intermédiaire. Là où on passe les vitesses. Non, même pas, je vous dis des bêtises. Enfin bref, pour ma part, c'est une pièce intermédiaire. Pour le réglage de hauteur du guidon. Là, on a le part-outil. Alors, avant de le peindre, faut que je vérifie. Parce que j'ai pas le part-outil. Mais par contre, j'en ai. Que ce soit le même diamètre que les miens. Sinon, il faut que je le passe de la perceuse à colonne de façon à repercer au bon diamètre. Que je me prenne pas la tête une fois peint, je vais faire de la merde en fait. Donc, vaut mieux je regarde avant si ça va bien dedans, hop, tac, tac, tac. Sinon, je reperce et puis on fera un truc propre tout de suite. Que Michel ne se pas embêté. Donc là, vu l'ensemble, tout ça, je ponce. Prêt à passer en peinture et je le reprends plus tard.